Et bonjour à tous, voici un unboxing du tableau Velleda que j'ai pris sur internet sur le site Amazon. Donc je vais vous montrer, donc là, il vient d'arriver. Je l'ouvre et alors j'ai vu quelques stries, ça c'est l'arrière du tableau. Donc vous voyez quelques stries, alors peut-être dû au transport ici, hein. Vous voyez, là, là, et là, peut-être le... Mais bon, le carton n'avait rien, hein, comme vous pouvez le voir. Mais bon, c'est pas... Ça veut dire que le tableau aurait été peut-être été plié. Bon, je pensais qu'il y avait des traces devant le tableau, mais apparemment, il n'y a rien. Comme défaut devant, hein. Donc ça va, il n'a pas pris de choc de devant, hein. Donc c'est assez fragile, ça vient par un transporteur privé là, et voilà. Donc je regarde si c'est bien plat, donc il n'y a apparemment pas de choc, vous voyez. Et ici on voit une petite trace. Je vais ouvrir pour voir si c'est une trace sur le tableau, juste une saleté, hein. Je vais voir ça. Ouais, effectivement, on dirait de la saleté, hein, vous voyez. Donc ça s'en va au doigt, heureusement. Donc, on continue, on regarde s'il n'y a pas de choc, hein. Donc ça, la notice de montage. Alors, on fait le tour. Donc vous voyez les petits aspérités derrière le tableau n'ont pas endommagé le tableau en lui-même. Donc c'est juste derrière, vous voyez l'épaisseur quand même du tableau. Voilà, c'est quand même bien protégé, même si on voit on dirait une pliure. Voilà, mais ça, bon, malheureusement, hein, dans le transport, je ne sais pas par où ça passe, un avion ou un train, je ne sais pas, mais bon. Voilà, donc bah, écoutez, je vais tester avec un feutre et je ferai une nouvelle vidéo, donc, pour vous dire mon avis sur la qualité du tableau, l'effacement, etc., etc. Voilà, merci à tous.